Donc, ce qui va se passer, bonjour à tous, bonjour et bonjour YouTube, parce que je vais remettre une partie du live en fait sur YouTube. Alors, ce qui va se passer, c'est que je pense faire 1 heure et demie de jeu à peu près. Après, de toute façon, on a la conférence de Nintendo, donc je pense la couvrir, donc on verra ça. Sans couper, sans rien, on va voir un peu comment c'est le début du jeu et tout. Et puis après, peut-être, parce que vu que ça va être de la construction, ça risque d'être un peu lent des fois. Peut-être après montrer ce que j'ai fait quand ça sera fait. Voilà, donc bah on est parti quoi. Bienvenue dans Jurassic Park. On verra pour le son, normalement il est bon. On verra ça. Bonjour et bienvenue. Je suis le docteur Ian Malcolm. Vous avez peut-être entendu parler de moi, ou plutôt, vous avez sûrement entendu parler de moi, surtout maintenant que vous êtes ici. Devant vous s'étendent les îles que vous devez gérer, si vous le pouvez. Les 5 morts. Bon sang, si seulement. Si seulement il n'y en avait eu que 5. Bon, Isla Matanceros, un bon endroit où commencer. C'est une île relativement stable, l'idéal pour se faire la main avant de plonger dans l'univers impitoyable de ces créatures préhistoriques aussi géantes que dangereuses et affamées. Mieux vaut se préparer un peu avant, comme vous l'imaginez. Je suis pas super fan de la voix en fait. C'est un peu étrange. Oui, bon, je suis Cabot, chargé des relations publiques et de la gestion de crise. Je suis là pour vous aider. Vous allez commencer par construire un labo de la création Hammond. De la création Hammond. Alors attends, laisse-moi un peu Nous avons check les déjà contrôles. commencé à construire Ok, un ça. enclos. Vous n'avez qu'à l'installer à côté, mais attention aux dinosaures! Je plaisante! Quoique. Super drôle. Oh, regardez-moi ces feuillages. Ah oh, oui. C'est beau. Bon, déjà, on peut aller vraiment. vraiment bas et tout ça, la caméra et tout. Donc, ça, c'est cool. C'est bien. On va pouvoir inspecter nos dinosaures et tout. C'est cool. Super joli. Super beau. C'est méga beau, putain. Je peux pas être un soldat dans la forêt, ça serait cool. Ouais, les bâtiments un peu. Ok. Bienvenue Carscorp et Elix, bienvenue. On peut pas, je peux pas m'approcher. Là, je vais voir l'entrée, moi. Ok, cool. Allez, c'est bon, on commence. Alors, enclos. Labo de la création. Hammond. Notre dieu. Alors, faites revivre les créatures de la préhistoire. Ce bâtiment permet l'incubation, la manipulation et le transfert de dinosaures dans le parc. Des enclos peuvent être y accéder directement. Ok, cool. Ok. Comme ça. Comment on tourne? Si je veux pivoter. X. Ah, ok, cool. Sympathique, pivoter à gauche. Oh putain, d'accord, c'est ces touches-là. Il va falloir les changer, on verra. Un retour placé, activer, désactiver. Alignement. Ah, c'est bien ça. On peut mettre un alignement ou pas, ça c'est cool. Ok, on va le mettre là. Là, on va se concentrer sur votre mission, à savoir créer des installations pour dinosaures sur les îles des 5 morts. Ou plutôt Las Cinco Muertes, puisque la langue locale, c'est l'espagnol. Ok. Le speech du mec, ça commence à être un peu comique. Évidemment, il faudra le relier au réseau d'allées existant et l'alimenter en électricité. Ok.
Bâtiment relié au réseau d'Ali. Ok, allié. Allez, pardon, pas allié. Allez. Et pas de 4. Ok. Ah, ok. Et maintenant, place à la véritable épreuve, l'incubation d'un dinosaure. On va commencer par un Struthiomimus. Cliquez sur le labo, quoi, puis sélectionnez un emplacement d'œuf. Les données du génome devraient être suffisantes pour obtenir un dinosaure viable. Un Struthiomimus. Okay. Putain, on va apprendre à parler aujourd'hui. Oh la vache. Voir. Ah. Incubation. Oh la vache. Ah, j'espère qu'ils nous montrent pas tous les dinosaures déjà. Non, 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 non. J'en veux encore plus. Je veux celui-là. Celui-là, ça pète. Celui-là qui crache. Je veux les vélociraptors. Je sais pas où ils sont. Ah, je veux celui-là avec la crête là. Ça doit être le T-Rex. Ça, ah, les vélociraptors, c'est eux. Ah, ça tue. Ok. Ça tue. Alors, modifier le génome. C'est quoi ça, modifier le génome? Oh putain. Alors, gène nul, source, attaque 8, défense. Putain, on a les stats et tout. Ah, ça tue. L'incubation, 30, résistance, attaque. C'est énorme. Apparemment, on peut leur injecter des gènes. C'est ça? On peut faire les savants fous, c'est énorme. C'est quoi ça? Appliquer. Gène type aride. Je sais pas ce que c'est. 60, ok, ça perd en viabilité, mais ok, d'accord. Mais là, je lui balance un gène de force musculaire. Genre, en espérance de vie, il augmente, mais en viabilité, ça baisse. Alors, viabilité, je sais pas ce que ça veut dire. Changer ADN manquant, changer de gène. Putain, c'est cool que ça tue. Ah, je peux me prendre pour Dieu, putain, ça tue. C'est énorme. Ok. Incubé. Pour l'instant, on va laisser Dieu de côté. Entendre changer le passé, défier les lois de la nature. Mais à part ça, tout va bien. Enfin, docteur, vous savez qu'on a beaucoup appris depuis la dernière fois. Sans compter tout l'argent qu'on a investi. Oui, précisément, monsieur Finch. Dernière fois. Il y a toujours une dernière fois. Et aussi une prochaine. Ah, faudrait que je mette le jeu en anglais. C'est la voix de... C'est Goldblum, l'acteur. Mais je crois qu'on n'a pas la voix du film. C'est pas le doubleur français, je crois. Ou alors j'ai vraiment oublié sa voix en français, mais c'est un peu bof. Peut-être que je le mettrai en anglais. Je sais pas si on peut le mettre en anglais. Ok, transférer dinosaure. Oh putain! La vie, la voilà qui commence. Quel grand moment. Le résultat d'innombrables actions et réactions, essais, erreurs, mutations génétiques et mystérieuses combinaisons. Un chaos absolu ayant mené à la création d'un être vivant et intelligent. Une entité unique. Et à présent, nous, enfin, vous les fabriquez. Les félicitations sont de rigueur, j'imagine. Sont vulnérables à tous les types de prédateurs. Okay. Note du dinosaure 7. C'est facile de recréer les dinosaures, hein, franchement. Super simple. Ok, cool. Ok. Je peux te cliquer?
La fondation Hammond s'investit dans trois domaines clés. Le divertissement, la science et la sécurité. J'ai déjà prévenu les chefs des différentes divisions de votre arrivée. Ils vous feront des propositions intéressantes pour vous convaincre de rejoindre leur équipe. Un petit conseil. Acceptez un contrat. Ça vous aidera à développer votre parc. Ah ouais. Je vais m'amuser avec le dinosaure. Division science. Division 2. Non, ça c'est un autre jeu. Division divertissement et division sécurité. J'aime bien l'ordre, mais moi je veux faire un parc à humains pour les dinosaures. Ça c'est mon but ultime. Donc ouais, je crois qu'on va faire la science. Ah, docteur Doua, je vous présente notre responsable des opérations. Oui, je sais à qui je parle, Cabot. Je suis le docteur Doua, responsable de la division science. Bon, il va falloir que vous amélioriez votre réputation auprès de la division science. Ma présence ne vous facilitera pas la tâche, mais vous vous y ferez. Tâchez de bien gérer vos dinosaures et de vous assurer qu'ils s'épanouissent. Ok. Les contrats proposés par les chefs des divisions sont accessibles depuis la salle de contrôle. Terminez-les pour augmenter votre réputation et gagner de l'argent afin de continuer à améliorer votre parc. Et j'ai beaucoup d'argent. Je peux aller aux Bahamas au lieu de faire des dinosaures, c'est mieux. Salut Zod, bienvenue. Oui, un parc à humains pour les dinosaures, ça va être le but ultime de la fin. Ça va sûrement être la fin de jeu. Centre des expéditions. Des équipes de fouilles. Ah ouais, ça c'est pour chercher des nouveaux gènes, des nouveaux trucs. Comment on fait? On le fout. On est là? Je vais pas le mettre avec les dinosaures. Je comprends pas. Ah, on peut mettre comme ça? Ok, on peut mettre comme ça. On va tourner. Activer l'option aligner sur angle. Ah ok. Ouais mais c'est de travers. Ça me dérange, j'aime pas les choses de travers, attention, moi je veux que ça soit ça super bien aligné, hein, attention. Bon c'est pas grave, on va mettre comme ça. Et une dernière chose, votre réputation. Il va falloir la surveiller de près. Une bonne réputation auprès d'une division vous sera bénéfique. D'un point de vue financier, j'entends. Vous verrez, c'est un vrai numéro d'équilibriste. Les divisions font tout pour attirer votre attention, et elles ont tendance à se vexer quand elles se sentent ignorées. Ok. là, il faut des allées. Comme ça. On peut... Espace courbe rectiligne. Quoi? Oh, ça tue. On va faire comme ça. Yeah! Ah, c'est trop joli. Vous avez vu un peu l'allée? Elle est pas belle, mon allée. Mon allée courbée, comme ça, légèrement courbée. Juste un peu. Gestion de l'île. Je suis Claire Dering. Ce n'est pas mon premier séjour dans ces îles. J'ai commis quelques erreurs sur l'île. Elle aussi, je la connais. J'ai essayé de tirer quelque chose de positif de mon expérience. Je crois en notre projet, mais nous devons faire les choses dans les règles. J'ai deux règles fondamentales. Gérer les animaux de façon responsable et créer un environnement sûr pour nos visiteurs. Ok. Consultez votre note sur l'île. Réputation, que ça marche. Vous pouvez également suivre la progression. Ok, cool. On dit que l'argent fait tourner le monde. Mais c'est faux. Ce qui fait tourner le monde, ce sont les contrats, les contraintes et les engagements. Terminez un contrat pour améliorer votre réputation auprès de la division science et vous pourrez entreprendre des missions encore plus complexes et stimulantes. Oula. Qu'est-ce qui se passe? What? J'ai une proposition qui devrait vous intéresser. Que diriez-vous de collaborer pour créer la vie dans sa forme la plus pure?
Si vous avez parlé au docteur Malcolm, vous savez combien c'est important à nos yeux. À mes yeux. Ouais. Je savais que nous nous entendrions. Un esprit curieux, une détermination sans faille. J'étais sûre que vous ne refuseriez pas une telle opportunité. Bien. Au travail. Ah oui, c'est celle qui court plus vite que le T-Rex malgré les talons. Ensemble, nous pouvons créer des spécimens plus authentiques. Mais pour cela, il nous faut un génome complet. Voilà, et je crois que vous pouvez m'aider. Alors, ne me décevez pas. Ouais, alors d'abord, on va faire des dinosaures basiques, puis après on va faire des putains d'hybrides. On va faire des T-Rex avec des ailes, on va faire des vélociraptors qui amphibiens. Non, on va faire des trucs de fou. Enfin, j'espère que c'est possible. Ok, ça c'est le truc qu'on a créé, c'est cool. L'île, la réputation, mission. Ok, donc il faut 50% du génome Triceratops. Okay. Comment fossile? Oh la vache. Ah, Triceratops. Ouh, le Ceratosaurus. Oh là. Le centre des fossiles vous permet d'extraire de l'ADN des fossiles ou d'ambres afin de créer de nouveaux génomes de dinosaures. Passionnant, non? Salut Kissib. C'est pas bien de regarder Twitch au travail. L'expédition rapporte parfois des découvertes qui peuvent être vendues pour engranger des fonds. Ok, ça marche. Jamais, ok, cool. On va faire Triceratops. Relever l'ADN, vendre, relever. Non, prélever. Prélever l'ADN. 30 secondes, ok. On peut consolider nos Strutiominus. On va prélever. Ok. Je veux ça aussi. Bah on fait tout en fait, c'est pas cher. Oh la vache, je comprends plus rien. 4 éléments disponibles, quoi. Centre de recherche nécessaire, je comprends plus rien. Le centre de recherche permet d'améliorer le parc de différentes façons. En créant de nouveaux bâtiments, en les améliorant, etc. Alors, apprentissage intuitif. L'épissage de ce gène améliorera les caractéristiques attaque et résistance. Les tests prouvent que l'ADN de corbeau permet de former des lésions neuronales rapides dans le cerveau. Attaque et résistance. Améliore les caractéristiques défense et attaque. Ah, ça c'est le gène, les gènes qu'on peut rajouter aux dinosaures en fait. Résistance et défense. Ok. Permet de créer des spécimens aux motifs cutanés vert de gris. Oh, tu peux manipuler la couleur aussi. Tu peux aussi manipuler la couleur des dinosaures. Mais c'est fou. Attends. Voilà, qu'est-ce qui se passe ? Un centre des expéditions vous permettra d'envoyer des équipes de fouilles dans le monde entier à la recherche de nouveaux fossiles. L'ADN extrait de ces fossiles permettra aux chercheurs de faire naître des dinosaures, ce qui est absolument vital pour notre activité. Ok. Ok, on envoie des expéditeurs. Alors. Triceratops. Parfait. Votre première équipe de fouilles est partie sur le terrain. Elle rapportera ses trouvailles au centre des fossiles, qui procédera ensuite à l'extraction d'ADN. Isla Nublar. Isla Nublar, c'est pas la... Ah, c'est la toute première. Au final, votre boulot est assez simple.
Il vous suffit de créer des dinosaures, d'attirer des visiteurs dans le parc et d'utiliser les revenus générés pour financer des recherches afin de créer de nouvelles installations permettant de créer encore plus de dinosaures. Traitement. C'est le cycle de la vie, du développement et des ressources. Cabot. La nature et le commerce. Simple, non? Merci. Traitement antiparasitaire. Adapté au système digestif des dinosaures. Donc, comme ça, ils meurent pas, ça. Enfin, que, comme ça, ils ont moins le risque d'être... d'être malades. On n'a qu'une équipe de recherche. Comment on en développe? Comment on en récupère plus? Comment elle est, mon île? Un dinosaure. Ah, c'est excellent. Ok. Carte des écrits. Non, ça, non, c'est pas ça. Non, ça. Non. Je sais pas. Ok, B. Incuber un dinosaure. Recherche terminée. Ok. Est-ce qu'on a le Triceratops ou pas? Non, on n'a pas le Triceratops. Faut encore attendre. On va faire encore un Strutiominus. On va en faire un autre. On va en faire même deux. On va faire Strutiominus. Est-ce qu'on peut déjà ouvrir le parc ou pas? Échec de l'incubation. L'un des bébés dinosaures de labo d'incubation amande est trop fragile pour survivre. Oh merde. L'un de vos œufs n'a pas incubé. Mais je n'ai jamais dit que ressusciter les dinosaures serait facile. Ah, si le génome est inachevé, ça peut échouer en fait, ok. Le labo à création d'un monde peut bénéficier d'amélioration d'habilité à l'inverse de la manipulation de gènes aura un impact négatif. Ok, la manipulation des gènes augmente le coût d'incubation, mais les dinosaures aussi créés peuvent présenter des avantages intéressants et de meilleures notes. Ah bah jeter quoi. Ouais, la viabilité, bah c'est ça donc. Alors si on fait modifier le génome, faut voir un peu. Viabilité, en prélevant l'ADN 74. Des fossiles que vous avez obtenu dans le centre des fossiles, vous augmentez la quantité de données viables à votre disposition pour créer des dinosaures. Espérance de vie 45, c'est quoi? 45 ans, 45 mois, 45 minutes? C'est quoi? Ah, on va aller au labo. Ok, lui il est prêt, transféré. C'est Gull. Un Strutiominus, intéressant. Encore un dinosaure qui laisse supposer un lien direct avec nos oiseaux actuels. Pourquoi un oiseau? Il a pas d'ailes. Tu vas pas me dire qu'il lui ait poussé des ailes? Ouais, peut-être en 500 ans. Bref. Ok, centre. Recherche. Non, on a des trucs. Putain, un Triceratops. Relever l'ADN. Il y a trop de choses à faire. Triceratops, relever l'ADN. Ça, faut vendre. Ah. C'est quoi ça? Fossile. Ok. InGen. On a toujours pas le Triceratops, mais on va l'avoir bientôt. Recherche, faut que je fasse les... Oh, il y a des enclos, qu'est-ce qu'on peut faire? L'électrisation permet de réduire les dégâts causés par les impacts, en bénéficiant davantage de... Non, on s'en fout, les clôtures, j'aime bien quand elles cassent. Ça, c'est pas un problème. Résistance et espérance de vie, ça c'est bien, ça. C'est cool. On a le Triceratops, ça y est. Nous faisons de grands progrès. Je crois même être sur le point de faire une percée extraordinaire. Et je dois vous remercier, car c'est en partie grâce à vous. Reste à incuber un œuf, à le faire éclore, et à transférer le spécimen dans son enclos. C'est une grosse dinde, en fait. Alors, si nos efforts ont porté leurs fruits. Putain, faut que je regarde le film encore. Oh la vache. Est-ce qu'on peut... On peut lui mettre des ailes? Ou pas? Est-ce qu'on peut lui mettre des ailes? Alors,
On peut lui augmenter son attaque avec... On peut lui mettre des griffes. Ça me fait marrer, moi. Oh, putain. On va pas lui mettre de l'attaque, parce que... Non, on va pas. On va faire un triceratops, normal. Ça coûte cher, en plus. Oula. Il est toujours bon d'augmenter ses stocks de ressources, et nous en avons justement l'occasion. Pour l'instant, c'est drôle. Pour l'instant, c'est super cool. Mener l'incubation de neuf de triceratops à terme dans le labo, yes. T'as encore heureux que tu m'as balancé la mission avant, parce que là, je suis en train de le faire, l'œuf. Ok, tout va bien. Ça, c'est eux, ça marche. L'île, non. Quart des expéditions. Est-ce que... Ah, ça y est, c'est fini l'expédition ou pas? Partiellement fouillé. On les relance, en fait. Bâtiment. Les visiteurs y trouveront des t-shirts, des chaussures, des sacs à dos et bien d'autres articles. Ouais. C'est bien ça. Ouais, mais ils sont déjà en train de... Ah oui, moins d'une minute ça. Amélioration de bâtiment. Ouh la va. Oh mon dieu, il y a trop de trucs. Stockage chimique permet de conserver un fossile ou minerai supplémentaire dans tous les sites de l'île. Ok. Ah mais j'ai plus d'argent là, oh. On va y aller mollo. Les notes d'installation est basse, améliore là pour augmenter les estimations de visiteurs. Oh la vache, on perd de l'argent. Ok. Bon, il est prêt le machin. On peut ouvrir le parc. Je suis Owen Grady, mais mes amis m'appellent Owen. Je le connais aussi, lui. Aussi, d'ailleurs. J'ai vu des trucs dont je préfère ne pas parler, mais je suis prêt à tout pour les dinosaures. Surtout pour les raptors, et plus précisément pour Blue. On a une relation unique, tous les deux. Comme Claire et moi, mais en moins compliqué. L'électricité est indispensable à toutes nos activités, il faut surtout pas l'ignorer. Sans elle, nous sommes dans le noir. Ok. Oh, oh. La division science vous remercie. Et moi aussi. Bah merci pour l'argent. La science, c'est ce qui nous construit ou nous détruit. Parfois les deux en même temps. Et sur Isla Matanseros, vous avez bâti, pour vous comme pour nous, une belle réputation. Ça mérite une récompense. Nos nouveaux spécimens, je veux dire dinosaures, répondent à nos attentes. Mais nous voulons les voir s'épanouir. Et ce sera là votre prochaine mission. Veillez à leur bien-être. Le problème avec les dinosaures, c'est qu'ils n'ont aucun repère leur permettant de comprendre les humains. Ne vous attendez donc pas à la moindre gratitude. Qu'est-ce qu'il est mignon. Ah, il boit. Ah, c'est trop beau. On a envie de lui faire des câlins. Un mangeoire. Une mangeoire. Ok. Comment on fait les mangeoires? Je sais pas comment on fait les mangeoires. Ah, c'est dans le science. Ok, ça marche. Science. Bâtiment? Non. Ça y est, je suis perdu. Problème électrique, confinement, recherche. Garage, expédition.
Non, ça c'est les gènes. Médical, bâtiment. C'est pas dans bâtiment. Aménagement ? C'est où aménagement ? Fossile enclos. Bâtiment. Amélioration de bâtiment. Médical. Génétique. What ? Ou alors on l'a, c'est déjà disponible. Carte, enclos. Opération, visiteur. Opération. Poste de garde, centre de lucé. Okay. Ou alors là-dedans. Non. Un lancement d'amélioration. Non, c'est... Non. Oh putain, ils vont mourir de faim! Aménagement. Ah, c'est pour de l'eau. C'est pour... Ok, c'est le terrain, c'est nature. Ça, c'est pour faire des arbres. Waouh! Ok. Ça tue! Ok. Visiteur. Je peux donner des visiteurs à manger? Non, je peux pas. Carte. Oh, la carte est cool. Recherche terminée. Ok. Bon. Non, là c'est juste pour le terrain, c'est juste pour faire joli le terrain en fait. Enclos. Mangeoire pour petit herbivore. Donc c'est dans enclos, c'est bizarre un peu mais bon. Ok. On a quoi? Mangeoire pour grand herbivore, c'est sûrement pour les... machin. Diplodocus? Non, c'est pas Diplodocus. La chèvre! Ah, ça on fera la chèvre. Ok, bon, mais mangeoire alors. Venez là. Je m'intéresse de près à votre travail. Et j'ai été déçu de constater que le docteur Doua s'est adressé à vous pour ce projet avant même de m'en faire part, comme elle l'aurait dû. Je lui en toucherai deux mots plus tard. Je t'aime pas, ou... Enfin non, non, si, si, toi tu fais des trucs de fou. Ouais, je t'aime bien en fait, ou... Tout comme les humains, les dinosaures ont des besoins alimentaires qui leur sont propres. Alors, veillez à équiper les enclos de mangeoires appropriées. Personnellement, je suis un gros mangeur de viande. Vous, ça va être mon super copain. On va faire... On va faire des dinosaures abusés. Des trucs qui se voient la nuit et tout. Genre avec des visions thermiques. Des trucs de malade. Le tueur parfait. Grand dinosaure mange plus que les petits. Si trop de dinosaures utilisent la même mangeoire. Ouais, ça ok. Dinosaure, 0% de nourriture ou d'eau, son état d'inanition et, ou de déshydratation. Et leur santé, ok, ça marche. Okay, cool. Réserve 1, 9 sur 10. Ok, cool. Bon, donc ils peuvent pas bouffer juste de l'herbe en fait. Genre, ils aiment pas les arbres. Ils aiment pas les arbres et la. Et machin. Ok. Ah, regardez, ils mangent. Oh. Ah, allez, il mange. Nourriture, rien, il mange. Oh, il mange. Vous avez vu, il mange. C'est énorme. On peut lui donner un nom. Oh, non. Ah ouais, STR, donc c'est... Oh, qu'est-ce qui se passe? Ah, ok. Ok. Ça marche, lui aussi il mange. On graisse bien la dinde. Triceratops 001, ok. On pourra leur donner des noms. Oh la vache, quand on aura des carnivores, ça va être le bordel. Construisez un poste de garde opérationnel et créer un Triceratops établi à 70%, ok. Attendez, c'est fou, pas tout ça à la fois là. Oh la vache. Recherche génétique, non. Fossile. Non, c'est pas ça.
C'est pas ça. C'est là. Triceratops, relevé de l'ADN. Ok, Triceratops. Il faut renvoyer des gens en recherche partiellement fouillée. On y retourne parce qu'il y a beaucoup de Triceratops. Qu'est-ce qu'il faut faire après? Oula, il pleut. Oh putain! Ça communique! Ils aiment peut-être pas la pluie. Salut Saphir. Ah bah je suis comme un gosse, hein, ça y est, hein. J'adore. Il est super joli le jeu quand même, hein, faut avouer, hein, super, super magnifique. Regardez, oula! Oui, lui il avait faim lui. C'est super cool. Ok. Sinon. Alors, recherche ou centre de recherche. Ok, ok. Alors, construire un poste de garde. Donc, poste de garde, c'est dans Enclos, j'avais vu. C'est pas du tout dans Enclos, c'est dans Opération. Un poste de garde. Envoyer une équipe de garde. Réparer les bâtiments et les objets. Remplir les mangeoires. Prendre des photos et administrer des médicaments aux dinosaures. Ok, ça marche. Ça va me rendre fou, on va le mettre comme ça le bâtiment. Allez. Hop là. Yes. C'est beau. C'est beau la vie. Surtout quand c'est toi qui l'as créé. Piou. Allez, on travaille plus vite, s'il vous plaît. On a de l'argent à faire, putain. Allez, on se dépêche. Bonne qualité, c'est bien ça. Alors comment on voit carte, voilà. Il y a l'électricité aussi, il faut gérer. Production d'électricité 60, extrait non utilisé 8. Ok, ça marche. Alors, ça fait quoi ça? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Modifier, livrer. Oh la vache! Bah, allez, Jeep. Ah, mais on prendra celle-là! Ah, mais de 1993. Mais obligé. Obligé, ce sera celle-là. Si je m'en fous des nouvelles, elles sont pas belles. Là, on prendra celle-là, les vraies. Alors. Non. Envoyer une équipe de garde réparer. Ok, les bâtiments, objets, remplir mangeoires pour prendre des photos à l'industrie. Équipe de garage, nouvelle équipe. Équipe de garage. Qu'est-ce qu'on fait avec? Conduire un véhicule, ajouter une. Conduire. Je m'en fous. Ouais. Wouhou! On peut klaxonner ou pas? Wouhou! Excusez-moi! Frein à main, prendre une photo, prendre une photo. Salut, ça va? Ok. Fusil, on peut. Attends, reviens. Il est où le mec? Attends. Attends. Demi-tour. Avant de tester sur les dinosaures, faut tester sur les humains. Oh putain. C'est raté, je confirme. Ah, ok, c'est raté. C'est raté alors, merde. Putain. A plus Gull. Wouhou.
C'est des visiteurs ça ou c'est des gens qui travaillent au parc en fait? Fais une petite photo les gens. C'est de l'art abstrait. Je peux rentrer? Ah ça tue. Bonjour. Non. Oh non non non, passe. Non non, photo. Oula, je lui ai fait peur, je crois. L'intention était bonne. Réapprovisionner. Ah, on peut réapprovisionner manuellement en fait. Comment on fait? Réapprovisionner. Ravitaillement terminé. On va essayer de prendre une photo quand il boit. Comme quoi. On peut zoomer. Yeah, on peut zoomer. Bois ou bois pas? Ah, il boit. Ah, on a pris la même espèce donc ils sont pas contents. Okay. Ah, il mange. C'est énorme ce jeu. Ok, retour. Je prends le relais. Ok, prends le relais. Bonjour, je suis Isaac. J'ai Putain, entendu des Isaac. Tas de bonnes choses à votre sujet. Je dirige la division divertissement. À quoi sert le meilleur spectacle du monde si personne ne vient le voir? Ne répondez pas, c'était une question rhétorique. Ok, j'avais pas l'intention. Ce que je dis, c'est qu'il nous faut des visiteurs. Faites en sorte d'attirer les foules. Plus de visiteurs, c'est plus de bénéfices, plus de frénésie et plus d'opportunités. Utiliser l'appareil photo d'une... Oh putain. Je viens de le faire. Ah là là. Prends encore une photo alors. Il va nous foncer dessus. C'est bon la mission? Prendre deux photos Triceratops. Ok. Non, 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 retourne. C'est bon? Je sais pas si c'est bon, on verra ça. Créer un tricer... Alors on va voir si le Triceratops c'est bon ou pas. Oh putain, il y a plein de trucs à faire. Alors fossile, non on en a pas. Expédition partiellement fouillée. Allez on les renvoie. Ah mais j'ai plus d'argent. C'est très bien. La voiture qui rentre. C'est deux différents sûrement, ouais, je pense aussi. Mais il est bien ouvert le parc, on est d'accord. Ouais. Il... Mais y'a personne. Y'a pas assez de gens. Ils veulent pas voir les dinosaures, les gens, ou quoi? Eh oh. Ok, il est en train de se faire. On a plus que 850k, on va y aller mollo.
Regarde si les attractions te rapportent de l'argent. Ok. C'est pas moi. Tu te débrouilles maintenant pour rentrer. Tu te débrouilles. Mais je sais pas, y a pas d'attraction en fait. Enfin, on n'a pas d'attraction pour le moment. Il faut qu'on fasse les t-shirts. On a notre super Triceratops. Ok, il est vénère lui. Okay, lui il est vénère, pardon. Ok. Bonne qualité, qualité moyenne, bonne qualité. Ok, maintenant, élément de recherche, centre de recherche, ankylostome. Je sais pas ce que c'est, sûrement un dinosaure. Oups. Ce que je veux faire, c'est les recherches de jouets, bâtiments, t-shirts. On aurait dû faire des t-shirts depuis longtemps en fait. Ok, la voiture elle est où? Le mec il doit être dans le marécage encore. Ah c'est bon, il est revenu. C'est parti. Excusez-moi. Ok, ça gère. Ou alors deux en même temps, peut-être. Je comprends plus rien. Ça, c'est pas une belle photo. Superbe cliché. Il n'y en a pas deux comme ça. Yes, c'est bon, c'est ça. Bon, par contre, je l'ai fait paniquer le truc. Je note ce contrat comme terminé. Voilà. Excellent travail. Yeah, merci. Oh, oh, oh. Salut, c'est moi, Isaac. Comment va? J'ai pas mal de projets sympas à vous proposer si ça vous branche. Venez rejoindre l'équipe des gagnants, mon équipe. Ouais, c'est vraiment... Ah non, attends. Je suis en train de faire une autre mission là. Pas maintenant. Ankylostome, élément de recherche, centre de recherche. Okay. Ah putain. Ça y est, on a des t-shirts. Ah putain, mais on a plein de trucs, je les ai pas mis en fait. Prêt à porter. Tous les gens veulent des t-shirts dinosaures. Tous les gens veulent des t-shirts dinosaures. J'espère qu'après on pourra faire un peu comme on veut les routes et tout, genre on commence sur une île vierge. Parce que là j'aime pas trop la disposition des bâtiments et tout ça, mais on verra ça. C'est le début, c'est le début. Ok, on a ça, qu'est-ce qu'on peut faire encore? Non, pas ça, arrête. On a du fast food. Boutique fast food, boutique de souvenirs. Les gens ils aiment bien bouffer aussi. J'aime bien bouffer. Faire des allées.
Ok, bienvenue. Bienvenue. Ankylostome. Ok, Ankylostome, c'est quoi ça? Faut les fossiles. Expédition. Partiellement fouillé, on verra ça plus tard. Ankylostome. C'est quoi ça? Mais c'est quoi? Je sais pas ce que c'est. Oh, là, il y a plein de trucs. On va faire ça. Okay. Ou alors, c'est peut-être des gènes qu'il faut rechercher. Élément de recherche du centre de recherche. Ouais. En fait, je fais de la merde. Élément de recherche au centre de recherche. Recherche génétique. Alors là. Alors, je sais pas du tout. Ah ouais. Traitement antiparasitaire. Adapté au système digestif. Ok, cool. On peut gérer le prix. Ouh, là, il y a du monde. Ça y est. On peut gérer le prix. Parce que moi, je veux mettre les choses chères. Dino cantine. On peut avoir dino bistrot. Et dino resto. Dino resto. C'est 14$ pour le créer. Et nous, on va le mettre à 25. 25 parce que c'est cher. 25. Gérer le personnel. Non, c'est... Afficher la gestion. C'est quoi la fichette? Je sais pas. Revenu, bon coût de fonctionnement. Vous avez un dinosaure malade sur les bras. Faites ce qu'il faut pour le soigner. Ou vous en subirez les conséquences. Oh putain, on a un dinosaure malade, non? Attends. Un chapeau. Un t-shirt. Une combi. Un t-shirt. Et on va le vendre à 20. C'est comme ça que ça marche. Et commerce. Non, divertissement. On a un dino malade. Ok, comment on fait? On lui injecte un produit. Qu'est-ce qui se passe? Envoyez l'équipe de garde soigner le tricératops. Utilisez le raccourci pour garder... Sélectionnez rapidement une équipe de garde, ok. R. Ok, c'est pas ça. C'est R. Poste équipe de garage. Ajouter une tâche. On peut leur dire... Administrer un médicament. Administrer un médicament. Demande enregistrée. Ok, vas-y, fais voir quand tu le fais seul, comment ça marche. Elle est où la voiture? Elle est là. Putain, je conduis mieux quand même. Hein. Oh la vache, y'a des mecs! T'as failli écraser des visiteurs, putain, ils ont plein d'argent, arrête! Oh la vache, oh, le mec, il sait pas conduire. Ouais, regarde ça. Oh, c'est abusé. Pourquoi j'ai pris des gens qui avaient pas le permis aussi, moi? Ouais, c'était moins cher, mais bon, quand même. Peut-être une limite. Oh la vache, lui bon, fonce pas dessus. Ok, bien joué. Oh la vache, le mec il est pas doué. C'est bon? Yes. Ouh. Force cardiaque. J'ai réussi. Nous allons créer un dinosaure de pure souche. Voilà qui va révolutionner le domaine. C'est un exploit que personne ne pourra ignorer. Oh, vous y avez joué un certain rôle, cela va sans dire. Sous ma tutelle, nous formons une équipe des plus efficaces. Il faudra recommencer. Je vous tiens au courant. J'ai vu le docteur Doua s'acharner en vain dans sa quête. Mais grâce à vous, elle pense désormais être sur la bonne voie. Croit-elle vraiment pouvoir réussir là où j'ai échoué? Non, non, mais toi, t'es là pour faire des hybrides monstrueux, toi. On verra ça plus tard. C'est le troisième jour, bienvenue. Alors, qu'est-ce qu'on a?
Plutiominus à du Edmotosaurus. Je sais pas ce que c'est. Alors, on va continuer. Ce serait bien d'avoir un machin pur souche. Un Triceratops. Avec l'ADN complet. Je sais que vous faites du bon boulot. Et j'aimerais beaucoup que vous vous chargiez de ce contrat. Ok. Les sites de fouilles. Terminer une expédition. Site de fouilles. C'est bon. Bâtiment, électricité, confinement, création, poste de garde. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok, on va voir pour plus de bâtiments, pour faire plus d'argent, pour faire plus de nourriture pour les dinos. Un hôtel, des boutiques de souvenirs. Moi j'ai fait quoi? J'ai fait un fast-food et un boutique prêt-à-porter, c'est ça? Souvenir. Je déteste je déteste comment le parc est créé. On dirait est fait, que vous êtes à court d'électricité et ça ce n'est pas bon du tout. Construisez de nouvelles centrales ou augmentez votre production. Ok. Augmenter l'électricité. Ouais, j'ai couvert la conférence de Sony ce matin. Comment on fait ça? Risque de coupure de courant. Oh, ça tue. Ah merde, allez. Oh là, oh wow 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 wow, oh attends, il commence à avoir plein de messages rouges. Ah, calme, 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 calme. C'est ce que j'aime chez vous. Vous obtenez des résultats. La vache, votre réputation a crevé le plafond. La division divertissement a donc décidé de vous donner une récompense pour votre boulot sur Isla Matanceros. Permet de réagir rapidement en cas d'incident dans le parc. Non. Je veux de l'électricité, moi. Comment on fait? C'est où l'électricité? Galerie. Les fenêtres sur le passé vers un visiteur de mieux observer les dinosaures peut être ajoutée directement à un enclos. Ah, oh, ça tue. Oh putain, fais de l'électricité d'abord. Oh la vache, électricité ça. On va faire une deuxième centrale, on va la mettre là. Pourquoi je peux pas la mettre? Obstruction. Obstruction de quoi? Ça, l'eau? Oh là. Chaque centrale électrique génère une quantité... Ok. Production d'électricité. Chaque bâtiment nécessite une quantité d'électricité donnée qui augmente à chaque amélioration. Moi, ce sont électriques pour faire construction une nouvelle pour augmenter votre production. C'est à cause de l'eau que je peux pas ? On va gérer ça, on va gérer ça.
Comment on fait? Disparaît! Disparaît, oh! Resident Evil 2 remake, enfin maintenant il s'appelle Resident Evil 2 tout court, vachement bien. Nioh 2, vachement bien. Il y a eu du Death Stranding qui est cool. Et bon, je sais. Ah, là c'est bon. Là, c'est bon. Comment on fait ça? Ça veut dire quoi les pylônes? Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Poste électrique. Ok, ça marche. Donc il faut créer des postes électriques pour alimenter en fait. C'est ça? Okay. Ok. Ouais, c'est ça. Ça marche là? Jonction. Ah merde, putain. Allez. Yeah, c'est bon? C'est en service. C'est Sony. Non, pas d'Anthem. Anthem, c'est Electronic Arts. Ah, jonction. Ça fait un moment qu'on a vu Anthem. C'était la première conférence. Last of Us 2 aussi, ouais. Moi, c'est pas trop mon kiff, mais ouais, on l'a vu aussi. Salut, Stadus. Franchement, j'aime beaucoup le jeu pour le moment. J'ai commencé il y a une heure, hein, donc. C'est quoi le Tyrannosaur? Je sais pas du tout. J'ai débloqué le Triceratops pour le moment, c'est tout. Alors, niveau argent, on se débrouille? On se débrouille, ça va, on se débrouille. On a des nouveaux fossiles. Relevé ADN, ça on va le vendre. Parce que qualité médiocre, on va vendre. Yes. Okay, cool. Formation de lance. Hellcreek, ça c'est les lieux qu'on a trouvés. Après on a les génomes, les gènes, type savane. L'épisode gène permet de créer des spécimens aux motifs cutanés rayés noir et blanc. On peut manipuler la couleur, ça abusait. C'est super cool. Isla Matanceros. Porte de Jurassic. Ah, la porte de Jurassic Park, c'est une. Ok, donc ça c'était la maladie, mais on a le vaccin, c'est cool. Alors, recherche. Tourne un peu d'argent. Je voudrais bien des missions par contre. Faut pas me donner des missions les mecs. Ok, expédition. Enclos, non, s'en fout. Bâtiment, ok, ça c'est bon. Alors ici, améliore de la vitalité 1.
Augmente de 10% la viabilité des dinosaures dans le labo de la création amende améliorée. Ça, c'est pas mal. D'ajouter une tâche supplémentaire. Okay. Production amélioration. Augmente de 14 points la production totale d'électricité centrale améliorée. Ça, c'est bien, ça. Et on va faire ça aussi. Ouais, enfin, après. Ok, on a un nouveau dinosaure. On a le Edmontosaurus. Edmontosaurus. Peau standard. Est-ce qu'il est gentil? Ok, il a l'air sympa lui. Ça a l'air d'être un herbivore sympa. On peut augmenter son espérance de vie, mais on va baisser sa viabilité, en fait. J'ai bien envie de tester, moi. Ok. Droite, changer l'ADN manquant, changer de gène, retour, appliquer, gène. Ok. C'est bon ? Appliquer le gène. Ok. C'est un peu dangereux, ce que je fais, mais... Ça a coûté cher. Si je me loupe une fois, je le ferai normal. Mais ça y est, on s'amuse à être Dieu qui crée des hybrides. C'est cool. Comment je récupère des missions ? Ah oui, il y a ça à gérer aussi. Alors... Comment alors, ça marche ? Vos visiteurs aimeraient voir de plus près certains de vos dinos. Ce n'est pas possible pour l'instant. J'en ai peur. Il faut que vous construisiez des installations permettant d'accroître la visibilité des bêtes tout en garantissant la sécurité des visiteurs. Ok, cool. Vu ce que les dinosaures puissent être admirés par les visiteurs à la maison. Ok. Des galeries plateformes. Ok, cool. Ce qu'il faudrait faire, c'est mettre un mangeoire en fait ici du coup. Un mangeoire. Mangeoire c'était où? Je me rappelle plus déjà. Enclos. Nous avons reçu une proposition que vous devriez vraiment étudier. Ok, ça marche. Enclos. À en croire le docteur Malcolm, tout ceci, notre réalité, n'est que le résultat d'un chaos aléatoire dissimulant une vérité plus profonde. Un jeu de chiffres. En parlant de chiffres, pensez à garder un œil sur votre nombre de dinosaures. Désolé, on désactive, désolé. Pas content le Triceratops. Va falloir que tu viennes là, comme ça les gens pourront te voir en fait. Voilà, comme ça les gens ils seront contents, ils verront des dinosaures. Parce qu'ils sont là pour voir des dinosaures. Salut Sof, bienvenue. Ok, fossile. Oh la vache, accéder aux fossiles. Médiocre, non. Qualité moyenne, bof. On va recontinuer là les trois là, c'est bien ça. Recherche terminée, production, amélioration. Ok, cool. Ah, ça y est. Notre premier hybride. Il a été modifié très très légèrement, mais il a été modifié. Donc c'est un hybride. Magnifique. Les premiers fossiles d'Edmontosaurus ont été découverts au Canada, dans la formation d'Edmonton, d'où son nom. Le tyrannosaure en raffole, et ça se comprend. Non, on va pas le faire bouffer par un tyrannosaure. Enfin, pas maintenant, pas encore. Qu'est-ce que tu racontes, troisième jour ? Non, j'ai pas vu la vidéo plus longue de Resident Evil 2. J'ai vu juste celle de Sony hier.
Enfin, ce matin plutôt. Équipe de garde. Okay, c'est mort. Ceratosaurus. Oui, c'est vrai. J'ai le goût du spectacle. Et ces dinos, y a pas mieux pour satisfaire les foules. Les parcs à thème doivent toujours attirer plus de visiteurs. Et qu'est-ce qui est plus attirant que de nouveaux dinos? Moi, évidemment. Ah, c'est un carnivore. Allez, okay. On va se trouver de nouveaux dinos. Ok, on va faire carnivore après, on va voir. Qu'est-ce que tu racontes, troisième jour? Y'a aucun problème. Ah, y'a un truc malade. Enfin, je crois. Il est malade? Rhinite. Ah, merde, j'ai pas rhinite. Ça, on vend. Rhinite, c'est quoi rhinite? J'ai pas rhinite. Non, pas recherche. Traitement médical. Si j'ai rhinite. Ouais, j'ai rhinite. Ok, ça marche. Alors, soigner. R. Équipe. Cache. Voilà. On va le soigner. Transférer. Ah, okay. Ah oui, c'est vrai qu'il faut en faire un autre. Okay. Non, on verra ça quand on aura des meilleurs gènes. Ah, qualité moyenne. Allez. Carnivore. Bénéfice par minute, 71 000. Oh, ça va pas mal. Épidémie contrôlée, ok, ça marche, c'est bon. Carte de l'expédition. Quelle recherche on peut faire encore? Améliorer les caractéristiques de défense et d'attaque, d'ADN crotal, favorise une agressivité accrue comme système de défense. Pourquoi pas? Une tâche supplémentaire, une équipe puisse améliorer. C'est vrai que j'ai un hélicoptère, j'ai pas utilisé encore. Non, j'ai pas des. Non, j'ai pas d'hélicoptère. Non, c'est, ça, c'est l'expédition, j'ai rien dit. Production, amélioration. Ça. En fait, j'aurais peut-être pas dû en faire une deuxième. Fallait seulement que je les relie avec un générateur. Bon, c'est pas grave, on en a deux. C'est pas mal. Transférer les dinosaures. Okay. On va faire un autre dinosaure. Qu'est-ce qu'on fait?
ça. Alors on fait ça. On va mettre plus de bouffe. Voilà. Je ne sais pas ce qui est pire. Exploiter ces créatures à des fins économiques ou en faire des bêtes de foire. Je sais pas. On peut le vendre, ça? Ou l'enlever? Faut demander à une équipe. C'est une tâche. Non. Je peux pas le... Ah! Aménagement. Non. Ah, détruire. Ça marche. Ce qu'on pourrait faire, c'est aller faire des photos. Ça pourrait être cool. Non, on peut pas alors. On va faire les photos. C'est perdu. Arrête! Il prenait des photos de la voiture. Oula, oula! Désolé. Il y a trop de monde. Beau cadrage. Je suis en panique en fait. Je reprends le volant. Ok, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ça. Il paraît que vous avez atteint le nombre de dinosaures attendus. Voilà qui va vous permettre de vous faire un nom ici. Bravo. Si, si, ça vient du cœur. Ok, il est en forme. Est-ce qu'on peut faire un carnivore? On va pas faire un carnivore là-dedans. Qualité, excellente qualité. Ok. Bon, on va attendre qu'il soit plus augmenté. On va faire un nouvel enclos. Quatre minutes, ça marche.
Alors, comment ça marche? Comme de ce côté, c'est bon? Nous avons besoin de ce contrat, et donc de vous. Amélioration vitesse de rechargement de l'UC. Plus de bâtiments, ça veut dire plus de possibilités. Foncez. L'UC, c'est pour les fossiles. C'est quoi l'UC ? Vitesse d'extraction. Hein. Cool. On verra ça, on l'a peut-être pas découvert encore. Récupérer un dinosaure suivant. Alors, le Ceratosaurus. Donc, ça, c'est ce qu'on est en train de faire. Enclos. Ah oui, non mais je voudrais les trucs électriques, non? Ok, encore 2 minutes. Par contre, il n'y a pas de courant. Alors, comment on va faire? Poste électrique. Ok, ça marche. 69%. 84 000. Bien. On va déjà créer le dinosaure, puis après on le relâchera après, plus tard. Oh, c'est cher. Est-ce que c'est fini les enclos électriques? Pas encore. Moins d'une minute. Ok. On aura bientôt ça. Voilà. Comment?
Ok, là c'est bon. Ah, c'est là. On va vendre parce qu'on n'a pas assez d'argent. On va faire d'abord de l'eau. Voilà. Et... Ah, pas vivant. Putain. Moins efficace que le mangeur pour carnivore, elle permet néanmoins de satisfaire les besoins en nourriture et chasse. Le problème, c'est que j'ai pas d'argent en fait. Enfin, j'ai pas beaucoup d'argent. Il nous faut une porte. Putain. Ok, on est bon. Enfin, je crois. Ce sont des clients satisfaits. Et pour ça, il faut qu'on réponde à tous leurs besoins. C'est un peu comme s'occuper des dinos au final. Sauf que les visiteurs sont plus exigeants et carrément moins compréhensifs. Tout a l'air de bien se passer ici. J'adore ce que vous avez fait de cet endroit. Waouh! Rien à redire pour le moment. Continuez comme ça. On veut donner entière satisfaction à nos visiteurs. Leur faire apprécier les petites attentions et les grosses bestioles assoiffées de sang. Ah, il va nous coûter cher s'il mange des chèvres comme ça, hein, lui. Oh la vache. Ok, il faudrait un truc pour visiteurs, du coup. Impeccable. Les visiteurs sont comblés et la fréquentation du parc est en hausse. La division divertissement a encore frappé. Nous, on obtient des résultats, pas vrai? Quand les parcs fonctionnent bien, nos recherches progressent. Mais je me garde bien de le dire à Isaac. J'ai tout entendu. J'allais ajouter que... Non, non. Trop tard. J'ai tout entendu. À plus, Doc. Oh. Voilà. On a notre premier carnivore. Ça, il manque de l'électricité ou pas? C'est bon. Alors, une amélioration de vitesse de rechargement de l'UC. Comment on fait ça? Carte d'expédition. On va repartir là.
Ah, voilà. Vitesse de rechargement de l'UC1, c'est ça. Poste de garde. Voilà, c'est très bien. C'est où qu'on met l'amélioration ? Ici ? Je suis un peu perdu là. Ce qu'on vient de trouver, c'est merde, pas ça. Bâtiment, merde, c'est le bâtiment. Non. Les affaires marchent, mais on peut toujours les améliorer. Avec ce contrat, par exemple. Ok. Ah, c'est parce que j'ai pas en fait les hélicoptères, c'est tout simplement ça, je crois. Ça a du sens, ou alors c'est... Non, ouais, ça a du sens. Dès que je fais de la peinture. C'est emmerdant ce truc. C'est bon, c'est bien. C'est bien comme ça. Voilà, très bien. Voyons voir notre... Si on lui faisait un copain. Après. D'abord voir ce qu'on a en fossile 1, qualité excellente. Okay. Vendre. Putain, c'est cher ça. C'est très cher même. Allez, on lui fait un pote. Alors, modifier le génome. On
On peut lui changer la couleur. Espérance de vie. Coût d'incubation. Ouais, d'accord. Non, c'est super cher en fait. On va lui mettre la couleur, pas quand même. Qu'on va pas se planter parce que sinon ça va coûter cher. On peut piloter l'hélicoptère, ça tue. Décoller. Voilà. C'est exactement ce dont j'avais besoin. Bravo. Ah tiens. L'équipe d'expédition est revenue. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va prendre... On va reprendre ça. Ah merde. On retente. Ça c'est emmerdant ça par contre. Ça coûte extrêmement cher à chaque fois. Visiteur 66 en domaine non. C'est bête, on peut pas choisir l'argent. Enfin combien on fait payer ça. En gros c'est seulement pour attirer des visiteurs quoi. Personne qui achète ça. Pas grand monde qui va là, c'est bizarre. Ok. Boutique de souvenirs. Alors. Lunettes de vision nocturne, ça tue, c'est comme le film. Personne.
Eux, ils sont revenus. Alors, excellente qualité. Ça, c'est bien. Ça, on voit. Okay. Mais du temps, lui, par contre, à arriver. Il nous faudrait un hôtel, ce serait cool. Voir vue gestion. Faible demande, demande élevée. Ah, les gens ils aiment pas trop ça apparemment. Enfin. Transparché. Les endroits que les visiteurs souhaitent pouvoir rejoindre plus rapidement depuis le lieu d'arrivée sur l'île. Voilà, donc ça. Fiche le lieu où les visiteurs souhaitent se divertir. Ok, ça. Ah, donc il faudrait faire un truc à manger pas loin en fait, c'est ça. On va pas mettre des abris encore, c'est trop cher. Ouh. Une couleur différente. Carnivore à ce que je vois. Un Ceratosaurus cette fois. Son échine présente de petites pointes osseuses et il arbore une corne sur la mâchoire supérieure. Le genre d'animal qu'il vaut mieux ne pas croiser lors d'une promenade. Tu m'étonnes. Il paraît qu'un nouveau contrat est disponible. Très bien. Expédition, il faut des herbivores. Les chiffres sont excellents. Affiche la situation financière des attractions. Bénéfices, pertes, ça sert en jaune. On va faire ça, expédition d'infosynergie, ok ça c'est bon. Compléter un nouveau génome à 50%. Trouver un nouveau machin, nouveau dinosaure donc. On va voir. Alors ce qu'on va faire c'est ça. Okay.
Ok, comme ça c'est alimenté. Maintenant on fait des allées, c'est quoi ça? Étroite, standard, large. Large. Ce contrat n'avait rien de simple, mais vous l'avez terminé. Obstruction, c'est super. Et là, on fait des trucs de souvenirs et des bordels. Voir un hôtel, carrément. Un hôtel près des carnivores. C'est peut-être vraiment pas la bonne idée, mais... L'argent. L'argent avant tout. Voilà. Là, on est bien. Je crois qu'on est bien niveau bénéfice. Je crois qu'on est cool. Médiocre vendre. Il n'y a plus trop d'argent par contre. J'ai une caractéristique, non, on s'en fout. Enfin, pour l'instant. Coût d'entretien réduit. C'est pas mal ça. Ok, ça c'est pas alimenté. Ça. Voilà. Vous avez un petit creux ou souhaitez-vous désaltérer? Rendez-vous dans notre nouveau fast food. C'est à côté d'un hôtel, donc normalement ça devrait bien marcher. Ok, on est bon. Je souhaite se divertir. Ok. L'éditeur souhaite pouvoir rejoindre plus rapidement depuis le lieu d'arrivée sur l'île. Ouais. Donc ça marche bien parce que voilà, Raptor et ça c'est l'hôtel. Okay. Ah bah c'est loin, c'est comme ça. Donc à marcher. Donc à marcher, c'est pas grave.
Faut compléter autre chose à 50%. Qu'est-ce qu'on a en fait? Dracorex. On va faire le Dracorex. C'est encore un herbivore. Centre des expéditions. Ça c'est bien, on a la liste de tous les de toutes les choses en fait. Ah, c'est cool ça. Alors, commerce. Il souhaite faire des achats ici. Donc, shopping, c'est commerce, je crois. Divertissement. Ok, ça. Enfin, si j'ai bien compris, oui, c'est ça. Ah, merde, on a la limite. Oh. C'est pas l'idéal, mais... Alors, nouveau truc. Ça a l'air d'être assez moche. Je sais que vous avez déjà beaucoup à faire, mais ça serait dommage de laisser passer ce projet. Ok, on doit l'avoir 3.5 en étoile, ça marche. On a combien? On a 3. Presque 3. Qu'est-ce qu'il fait lui? Ah, c'est les expéditions, je crois. Nouvelle. Aha! Isla Muerta. Oui, le site C, plus connu sous le nom d'Isla Muerta, une île nouvellement développée. Son nom signifie l'île de la mort. Approprié, voire ironique. Tempête tropicale. Une équipe de garde et de gérer situation de crise dans le parc, réparer des gars. Okay. Et maladie dangereuse. Investissez de l'argent dans la recherche de remèdes. Nouvelle maladie. Okay.
D'abord, je voudrais compléter 3.5, ça serait cool. Bon, nouveau génome à la limite, non, c'est pas grave. Info sur lui. Je crois qu'on peut construire en fait sur toutes les îles, si je me trompe pas. Genre on perd pas ce qu'on a. On peut simplement construire sur tout ce qu'on... partout où on veut. C'est cool. Bon, bien sûr les îles deviennent de plus en plus dures, mais... Ok, on a juste à attendre que les fossiles arrivent. Ah, on peut faire des recherches. Troisième Triceratops. Je vois que vous avez fait naître un Triceratops. Il est mignon pour l'instant, mais ça va pas durer. Pourquoi ? Ils sont gentils. Ils sont gentils, les Triceratops. Enfin, je crois. Dracorex, ce sera le prochain. Ça va être cool. On va voir si on peut pas prendre des photos, tu vois. Se faire attaquer, ça va être la merde. Celle-là, on la garde. Il est trop loin là. Il vaudrait peut-être mieux réessayer. Waouh, il va super proche. Oh la vache. Me casse. Est-ce qu'il me court après ou pas? Allez, tourne. Ah, c'est énorme. Non, là-bas, la porte, c'est là-bas. Ah,
recherche terminée. C'est bon. T'es ça tue. Vitesse d'incubation, fiabilité. Ok, ça c'est les améliorations, elles sont là en fait. C'est cool. Nouveau génome, oui. Alors l'expédition. On va voir ce qu'on a déjà, on a rien. Expédition. On va essayer de récupérer le Draco. On est presque à 3.5. Alors. Perte bénéfice. Ok. Visiteur, ça se... Ouais. Les lieux où les visiteurs ont faim. Bon, ça va, on a assez de... De bouffe. Ah, c'est bon. Soit de faire des achats, là. Là. Il faudrait rajouter un truc pour les achats, en fait. Un magasin. On pourrait le mettre là. Remplacer. Ah, on peut remplacer aussi. Par contre, il va falloir de l'électricité encore. Voilà. C'est bien, ça remplace directement le pylône par un machin, un truc qui donne de l'électricité en fait, par un générateur. Ouais, mais je peux pas. Ah, c'est moche. Ah, c'est moche. Là, on a de la bonne qualité, c'est bien. La Nublar déverrouillée avec 4 étoiles. Votre wow. Réputation auprès de la division science est excellente. Cool. L'inévitable s'est produit. Ah oh merde. La vie engendre la mort. Posez-vous la question, était-il possible de l'éviter?
Bien sûr que non. La mort est le destin de tout être vivant. Mais auriez-vous pu la retarder? Ça, c'est une autre histoire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Non, faut rien faire apparemment. Bon bah ouais, il est mort, qu'est-ce que je te dis? Ouais, il est mort quoi. On va le remplacer, pas de problème. On va voir si on peut le modifier. Type savane. Hein. Espérance de vie. Résistance, note. C'est pas mal ça. Lui, il a bien été modifié, c'est sympa. Un nouveau contrat est disponible et j'ai besoin de quelqu'un. Oui, c'est à vous que je m'adresse. Qu'est-ce que tu veux ? Transférer des dinosaures Triceratops dotés de la modification... Ok. Espérance de vie d'un dinosaure détermine sa longévité naturelle. Ok. Carcasse dinosaure mort doit être évacuée par les hélicoptères transportant afin d'éviter toute maladie. Ah ok 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 ok. Cool. Ah, on peut leur dire de faire ça? Non. Pas l'impression qu'on peut faire ça encore. Non, on peut pas. Comment on fait du coup? Opération. Une recherche que j'ai pas, c'est ça? Non. L'utilisateur me permet d'ajouter une tâche supplémentaire. Le boulot n'a rien de facile, mais bon, on était prévenus. Grâce à nos dinos, on contribue à l'évolution du monde une expo à la fois. Vous avez bien géré cette acquisition de génome. Félicitations. Ben merci. Je trouve pas comment. Alors, hélicoptère, ajouter une tâche. Il y a que administrer un tranquillisant pour le moment. Il n'y a pas autre chose. Bizarre.
une jolie couleur, lui. Chers visiteurs, notre parc est heureux d'accueillir Instructionimus. Bon, apparemment, il est... Le cadavre a disparu, mais faudra que je trouve pourquoi je pouvais pas. Bon, je pense que je vais faire une petite pause et après on va changer d'île. On est à 3-2. Ça prend du temps. Donc j'ai envie de changer d'île et voir les problèmes climatiques qu'on peut avoir et tout. Ça a l'air sympa, ça. Donc on verra ça. On va voir ça. Ok, petite pause, je reviens vite. Ok, sauvegarder. Ah, ça sauvegarde même pas automatiquement. Dangereuse. Ok, cool. À tout de suite.